cette relation de coopération. Et comme je l'ai dit tantôt, vraiment notre avenir dépend de notre capacité à créer des passerelles vraiment entre les pays, entre les continents et entre les peuples. Et c'est ça même le sens de l'humanité. Voilà, donc en remerciant encore la maison de la francophonie et en vous disant bravo pour cette belle organisation. Remercier l'ensemble des collaborateurs, donc l'association. Et on peut dire d'ailleurs que toutes ces relations se passeront en français. Voilà, se passeront en français. Et remercier mon collègue, donc, et avec ses nombreuses casquettes. Donc remercier Anne et Alain, Madame Ramos, avec qui nous travaillons ensemble dans le cadre de l'association Les Cafés Littéraires. Comme je l'ai dit, le Sénégal contribue, en tout cas participe à tous les événements qui rentrent dans le cadre de renforcer la francophonie. Parce que c'est vraiment un espace de rencontre où on va mutualiser, surtout par rapport à ce qu'on voit actuellement. On est dans un tournant historique avec beaucoup de craintes. Donc il faut s'appuyer sur vraiment ce qui nous rassure. Et ça, je pense que ce sont ces relations-là qui peuvent nous rassurer. Et en vous remerciant encore et en disant qu'on aura d'autres occasions pour organiser vraiment d'autres événements. La maison de la francophonie est aussi votre maison. Voilà, la maison de la francophonie est aussi notre maison. Et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un projet, certainement mon collègue est au courant, donc porté par Africa Link et les autorités marseillaises, qui est la maison de l'Afrique. Donc, vu les relations entre l'Afrique et la France, et ça, je pense que ça soit fait à Marseille, vraiment, c'est tout un symbole. Voilà, parce que aujourd'hui, tout à l'heure je l'ai dit, nous sommes liés aussi par l'histoire. Donc, ne serait-ce que pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il y a des tirailleurs sénégalais. Donc, quand on dit tirailleurs sénégalais, avec composés de 17 nations qui sont venus participer auprès de leurs frères d'armes pour la liberté de la France, pour la dignité humaine. Je suis en ligne tout le temps avec Africa Link. Voilà. Vous voyez ? Voilà. Donc, Africa Link, ils vont porter ce projet-là avec l'ensemble des acteurs. Et ça sera une maison qui sera là aussi pour compléter le schéma. Ce que la maison de la francophonie fait, la maison de l'Afrique. Donc ça aussi, je pense... On présentera une motion pour qu'Africa Link devienne le lien africain. Oui, devient le lien africain. Oui. Bon. Je soutiendrai. C'est bien qu'Africa Link existe, mais c'est encore mieux si c'est les liens africains. Exactement. Voilà, tout le monde comprend là. Voilà. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Merci en tout cas. Je me permets de rajouter que nous avons vraiment eu le plaisir de participer à un événement de qualité grâce à vous. Merci de nous avoir invités. On est ravis. Et par contre, on va vous envoyer très prochainement une invitation pour le pavillon africain au Festival de Cannes de cette année. Voilà, où il y aura des tours de table où vous pourrez intervenir et vous continuerez les échanges. Avec plaisir. Voilà. Merci, à bientôt. Eh bien, écoutez, nous restons en lien, oui. C'est ça? Tous ensemble, merci beaucoup. Bonne continuation. Au revoir. Merci. C'est là.